marijuana fait baisser la mémoire immédiate, modifie la coordination, provoque le cancer des poumons. Elle pourrit également le cerveau et les valeurs morales. Le cannabis m'a procuré de nombreuses et excellentes images. Quelques bouffées du téton vert et je peux voir des thèmes multiples au clair et au-delà. Le cannabis est une des drogues les meilleures contre la nausée. Elle augmente l'appétit et le bien-être général. Elle stimule aussi les centres visuels dans le cerveau. Alors pourquoi cette excitation sur cette substance inoffensive et gratifiante? Jive, Mary, Grifo, Grass, Hay. Technically, it's cannabis sativa. A common name, marijuana. C'est ce qu'on appelle couramment la marijuana. La marijuana. 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 Keep it legal. We can eat the oil or use it for any other oil product. Le gouvernement français a une position très ferme sur cette affaire et n'entend en aucune façon tolérer l'usage de cette drogue qui est considérée par certains comme mineure, mais qui, pour nous, est un élément de préoccupation constant. Il en circule des quantités énormes venant de partout, plus ou moins astucieusement cachées dans des boîtes de conserve. Ici, celle-ci vient d'Hollande. Ici, c'était dans les amortisseurs d'une deux chevaux. Ici, moulée dans un pneu. Et ici encore, dans un ananas, et vous voyez la partie, toute la masse du cannabis qui est à l'intérieur. La semelle que vous avez devant vous a été conditionnée pour le trafic. Ces sachets de toile portent imprimé le cachet, le sceau du fabricant ou du producteur. Bien sûr, ça n'est quand même pas une fabrication officielle, mais en fait, étant donné les quantités importantes qui sont traitées et les réglementations beaucoup moins strictes des pays concernés, on comprend que ces cachets puissent apparaître. Monsieur le commissaire, jusqu'à présent, on imaginait que la drogue venait des pays du Moyen-Orient, mais de là à découvrir un champ de chanvre indien dans la région parisienne, à Gennevilliers. Ce champ était cultivé par un Nord-Africain dans un jardin non loin de sa maison au 23... On arrive à faire pousser cette plante dans nos régions, mais d'après ce que nous savons, la teneur en produits stupéfiants est moindre que celle que l'on obtient dans les pays plus chauds. Les évaluations sont très difficiles, mais on estime à plusieurs dizaines de milliers de tonnes la production sur la planète. Depuis quelques temps, comme Ibiza ou Katmandou, Ketama est un nom qui jouit d'une grande réputation chez les hippies. Tu veux hashish, non? Tu veux de marijuana? Ils partent avec des illusions. Ils partent parce que, disent-ils, le Népal est la patrie du Bouddha. C'est là qu'on voit Dieu en face, disent-ils. Et ils partent joyeusement. Oh, pour trouver un autre ailleurs. La société actuelle ne leur convient plus. L'inquiétude mystique ou métaphysique, la recherche de quelque chose est extrêmement importante dans les jeunes générations. Et nos générations loupent peut-être le coche en ne répondant pas à cela. Nous voyons que ces cultures ici, qui ont toujours fumé et qui n'ont pas bu l'alcool, ils ont toujours été très heureux, très contents, et ils n'ont pas eu la guerre. Ils cherchent autre chose, ils cherchent le paradis, ils cherchent un monde fraternel, chaleureux, généreux, qu'ils opposent au monde dans lequel ils vivent et qu'ils trouvent froid, égoïste, matérialiste. Je sais pas, les jeunes, ils essayent peut-être de trouver un autre monde, de s'évader. Et puis peu à peu commence la déchéance, parce que sur ce chemin qui doit les mener à la sagesse, ils croisent un autre chemin qui est celui de la drogue. Mitte jaye hum
fumer ? Ah si, si tu veux, il y a du hachis dans la boîte, oui, tu peux faire un shalom. Le Népal est surtout la terre promise du hachis. Des jeunes Français y ont trouvé la liberté de se détruire, à moins qu'ils n'aient su à temps appeler à leur secours l'ambassadeur de France. Les cas dont nous traitons sont le plus souvent dramatiques. Il nous faut soigner d'abord, vêtir le plus souvent, financer enfin le rapatriement de véritables épaves. D'autre part, je dois dire que l'étude des civilisations, disons orientales, dont la destruction ou l'amollissement a été causée en partie au moins par l'utilisation massive des dérivés du cannabis, ne m'incite pas pour mon pays à le souhaiter. Tu veux fumer ? Vous venez de nous parler de cannabis, de marijuana, de hashish. Oui, justement, il y a un certain nombre de confusions. Et effectivement. Bon, alors là, vous nous avez préparé des petits échantillons. Alors là, c'est le bout séché de la plante. Tout à fait, c'est la sommité florifère, c'est-à-dire qu'on extrait le bout de la plante. Mmh. Vous voyez, c'est pressé, c'est tassé. Et ça a été fait de la sorte pour les commodités du trafic. Et après, le hashish. Le kif marocain, le libanais, l'afghan, le pakistanais. Et ce cannabis-là, c'est exactement de la résine de cannabis. C'est-à-dire qu'il présente une teneur en cannabinol beaucoup plus importante que la marijuana que nous venons de voir. Moi, personnellement, j'en connais une soixantaine ou une 70 variétés différentes. Non, la libanaise. Comment vous voyez ça ? La couleur. Marijuana has a sweet, musty odor that is easy to identify. Knowing this, pot smokers often try to hide the telltale fragrance of grass smoke by burning incense in the room. Alors, enduit d'eau de Cologne pour éviter l'odeur du chien. Ça, c'est la petite boîte dans laquelle on a, disons, nos petites trouvailles, quoi. C'est pour faire voir comment c'est fait aux petits jeunes qui arrivent. Quand les consommateurs, les jeunes veulent s'en procurer, qu'est-ce qu'on leur propose ? Alors, on leur propose ou de l'herbe, de en l'herbe, petite quantité, ouais, ou des barrettes, qu'on appelle la barrette, qui est donc extraite en découpant. C'est ça, c'est une lamelle. Une lamelle de la savonnette. Et alors, qu'est-ce qu'ils en font ? Eh bien, ils se la. Je prépare mon chanvre indien. Alors, à ce moment-là, ça, c'est ce qu'on appelle la marijuana. Et on peut également la mélanger au tabac. Mmh. Hein, deuxième forme. Deuxième forme qu'on appelle le joint. Le joint. Bon. One reefer at a time is usually consumed by a group. And a non-user could become contact high from smoke. On est dans un contexte où tout le monde fume, tout le monde fait quelque chose. C'est vrai qu'on est plus incité à le faire et à recommencer, à renouveler à chaque fois. Parce qu'on voit les autres en train de s'éclater, on voit qu'ils sont dans un bon trip. On a envie justement de peut-être de le faire justement avec eux. Et je crains fort qu'il y ait ce petit phénomène-là. No, I don't smoke pot. My body is a temple. I would never put any chemicals into it. Alors, j'ai commencé à fumer à l'âge de 19 ans. J'ai été initiée par un homme, un ami. Dans mon cœur, et depuis, ça fait à peu près 7 ans maintenant. Quelle est cette je ne vais pas arrêter, je ne pense pas que je m'arrêterai, à moins que ce le soit vraiment nécessaire. Marie, roi d'or, herbe magique de là-bas. Avec toi j'oublie mes soucis et je reprends goût à la vie. Je suis dans mon petit monde, je suis tranquille. Comme un gentil nuage qui rebondit de plus en plus haut. Enfin, ce que vous recherchez avant tout, c'est la musique. La musique vous prend, vous voulez vous incruster dans la musique, vous voyez. Il y a un certain snobisme qui fait que pour savoir ce que c'est, pour connaître, parce que les autres le font, certains jeunes prennent de la drogue. Venez avec moi, dansons. Ah oui, c'est vraiment là. La cible du cannabis, de la marijuana, du hashish,
et le cerveau, qui est le siège des sentiments de plaisance, du plaisir, du rêve, qui est stimulé par l'usage de cette drogue. Et l'éclat, vous disiez le plaisir et tout, vous l'avez trouvé? C'est une démarche certainement très très personnelle, mais je veux dire, moi, effectivement, ça m'a fait découvrir qu'il y avait ça en moi. Ça, c'est-à-dire? C'est-à-dire tout un domaine émotionnel. Un univers sensible où tu ressens mieux les choses. Tout un domaine de choses que je ressentais. Où tu vois mieux, où tu réapprends à toucher, à écouter. Vous étiez masqué? Qui était masqué, voilà, qui était masqué, qui était barré, un petit peu. L'autre cible du cerveau est le siège de la raison, de l'activité volontaire, qui est orientée vers un but utilitaire. La routine. La routine, ça, j'ai horreur de ça. Ça, c'est mon problème. Que rien ne passait dans le couple. Si, ça passait, mais ça devenait... Il semble, par conséquent, que sous l'effet du cannabis ou d'une autre drogue, le cerveau soit pris dans une espèce d'étau entre une action d'inhibition, de diminution de la partie raisonnable du cerveau et une stimulation de la partie qui engendre le plaisir et le rêve. On fixe ça pendant des heures, on voit des choses. Qu'est-ce que je suis censé ressentir? J'aimais bien, au départ, être en dehors de moi-même. J'aimais bien pas porter de jugement de valeur. Vois, la sensation d'être éthéré. Tu as essayé? Le shit? Oui, j'ai essayé il y a exactement 21 ans. J'étais à l'armée. À 18 ans, oui. C'est une très mauvaise époque. Ce qui m'a permis de commencer à allumer ma première cigarette de hashish. J'étais très malade. Deux jours. Très malade. Réellement malade, mais alors, une histoire de fou. C'était des hallucinations terribles, enfin, c'est vraiment très malade. Et qui vous avait procuré ça? Un ami, un copain, un très bon copain, qui revenait du Maroc, qui dans sa musette avait pas mal, une grosse quantité, un kilo il ramenait. Tu veux fumer? Mate. Mate! What do you want? Bring me some reefers. Le cannabis, c'est plutôt les yeux brillants, avec des fois des vaisseaux sanguins dans les yeux rouges, et puis alors, une ou l'autre attitude, soit quelqu'un qui va être assez euphorique, qui va être très ouvert, qui va être un peu agité, un peu speed, soit l'inverse. Ça veut dire que le cannabis, pour certains, ça peut pas être néfaste, mais pour d'autres, ça doit être... Bon, il y en a qui restent avachis, il y en a qui sont... Il en résulte de véritables locks, ils ne peuvent pas faire un mouvement, c'est très pénible. Mais en plus de cela, il a été démontré par des enquêtes qui ont été faites en particulier en Suède, que les fumeurs réguliers de cannabis, je dirais les fumeurs journaliers, ont une incidence très accrue de maladies mentales, soit de dépression, et même certains prétendent qu'il y a une augmentation de la désintégration cérébrale. Se traduisant par des véritables crises de schizophrénie, de la folie et quelquefois des actions meurtrières. Autrement dit, le danger de cette drogue, à mon avis, c'est un peu un avis personnel, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et peut-être que c'est cette banalisation qui la rend dangereuse comme une étape. Auriez-vous pensé à la drogue en voyant ces badges? Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut nous dire ce qu'il y a d'écrit dessus? Bon, par exemple, sur ce badge, j'ai marqué « Legalize it », ça veut dire « légalisez-la ». Alors, qu'en pensez-vous, les parents? Est-ce que c'est grave pour les enfants? Je crois qu'il y a même un danger à supprimer ces badges. Vous savez que les jeunes sont toujours attirés par l'interdit. Ils sont peut-être attirés par l'interdit, mais ils ne peuvent pas être attirés par ce qu'ils ignorent. Le fait de porter ce badge, déjà, risque de faire boule de neige dans le petit cercle que fréquente le drogué. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de légalisation et de quoi? Hein? Est-ce qu'on parle de la légalisation de la variété pakistanaise noire ou est-ce qu'on parle de la légalisation de la marijuana américaine? I think it's really incredible to think that the whole public is being sold this idea of some wonder potion here with marijuana, and it simply isn't true. Today, marijuana is classified as a dangerously addictive drug with no accepted medical use. Not everyone agrees.
I want to tell you a secret. I broke the law and got marijuana. It worked. I could eat. Today, I'm free of cancer. Proposition 215 allows cancer patients to get marijuana without becoming criminals. It's supported by the California Academy of Family Physicians. Vote yes on 215. Someday, you may need it. I don't think we should deprive them of medicine, but marijuana is not medicine. What's the big deal? Medical marijuana is not addictive. I'm at the end of my life. Anyone that smokes marijuana and thinks that they're clever is stupid. How many people out there are stupid? C'est un stupéfiant. Il a été classé comme tel et personne, aucun pharmacologue honnête ne peut le nier. Alors que l'on vende sous ce nom du foin pour faire de gros profits, qu'on accuse la jeunesse d'être la seule à en prendre, je veux bien, ça me paraît pas légitime. Mary, Mary, marijuana. I love you. Mary, Mary, marijuana. I can't live without. I said Mary, Mary. I experimented with marijuana a time or two and I didn't like it. La position du gouvernement français sur cette affaire est très claire. Nous considérons que l'usage du cannabis est le chemin de l'escalade. Il y a des drogues qui sont plus sévères que d'autres, certainement. Est-ce que vous voyez d'acteur une escalade ou bien est-ce que vous constatez comme certains de vos collègues aux Pays-Bas qu'il y a effectivement entre 1 et 3% des gens qui se servent normalement beaucoup, souvent, de marijuana, qui ne passent jamais. Les drogues mineures sont quand même le marche-pied pour arriver aux drogues majeures. Si on les permet, on n'en est pas sûr. On n'a pas démontré. Ça n'est pas démontré, nous savons. Je vais laisser quand même le docteur Livingstein répondre sur ce point. Écoutez, vous posez un problème où il y a des choses avec lesquelles je peux agréer, des choses avec lesquelles je suis en désaccord. Je voulais plutôt savoir d'abord si vous constatez une escalade, toujours. Si pas on commence toujours. Avec la marijuana, si vous voulez, si est-ce qu'on passe d'une à l'héroïne enquête que nous avons fait à Paris, mais qui est assez vieille, il y a 2 ans, 1 sur 20 à Paris faisait l'escalade, c'est-à-dire 5%. Arrivé à un certain point, la fumette, bon, bah, c'est toujours pareil, la fumette, et les gens... Il y a des gens qui franchissent le pas, LSD. Et... Mais vous ne croyez pas que quelqu'un qui justement est saturé de la fumette, comme vous dites, ouais. N'en arrive pas forcément à se dire je vais essayer autre chose? C'est vraiment, il y a un grand pas à franchir entre la fumette et la fringue. De plus en plus, les dealers et les trafiquants de drogue dure organisent aussi des trafics importants de cannabis et que donc quand ils vont chercher du cannabis auprès de dealers, ça les met en contact avec toute une population et toute une marginalité importante qui peut les entraîner effectivement vers une drogue dure. Mais c'est en termes relationnels que ça se passe. Oh, boss, by the way, that last stop was absolutely terrific. My God, we were out at the Hamptons, you know, 3 days on that goddamn boat with that stuff, and that stuff was so marvelous that afterwards we found out we hadn't even left the goddamn dock. Hors de question, parce qu'il s'agit banalement et prosaïquement, ou il peut s'agir banalement et prosaïquement de nos enfants, de s'en tirer par la pirouette d'un rejet, c'est-à-dire le rejet soit policier, soit psychiatrique. Can you keep me back? That guy is a cop. I didn't give him my right name. I saw it right away, man. I was so fucking scared the way he was looking at you, man. Did you see it? Did you ever see anything that looked like a cop more than a guy? That fucking guy's a narc. It's written all over his goddamn face. I don't know. All right. But will you get out of here? This is more important than that. La prévention est souhaitée par la plus grande partie de la population, que ce soit les élus, les enseignants, les parents et les jeunes eux-mêmes. Ben oui, il y a à peu près dans certains lycées 40% des élèves qui sont drogués. Nous aurons l'occasion de reparler des chiffres. On cite celui de 15 millions d'Américains ayant déjà goûté à la marijuana. Qu'est-ce que vous demandez exactement? Que la drogue soit arrêtée. No drugs, no heroin, crack, blow, marijuana, weed, pot, cannabis, dope, lid, reefer, Mary Jane 13, M, herb, shake, flake. There's a cop following us. That's not very funny, man. Where's the shit? It's under there. Get the shit. Leave it there. Just get it. We didn't get it, man. Leave it there. What the fuck are you going to do? Eat the shit. What do you want to do? Throw it out the window? Hurry up. Eat it. What do you think? Eat it. Get out. People will have things. Come on.
J'ai une personne physique à passer au fichier. Alors, non. Lima, Bravo, Alpha, Zulu, Echo. Prénom, Mohamed. Qu'est-ce que c'est, top plan? C'est qui est le gars là? Pour les teenagers, l'arrest est terrifiant. Yet, paradoxically, arrest may be their one hope. C'est efficace, là, ce genre de travail que vous faites dans les bus qui reviennent d'Amsterdam? Oui, parce qu'on arrive toujours à trouver quelque chose, quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Ça là. When possible, the hands are held until they are examined or cuffed. Il y a qui le shit? Moi je touche pas ça. Ah ouais. Bah, c'était à vos pieds. The driver is restrained by putting him in a temporary window pillory position to avoid escape. Il me paraît dommageable, extrêmement dommageable, que des usagers aient pu être maintenus ne serait-ce qu'un jour en prison. Ça me paraît. Dommageable. L'ex-Beatle Paul McCartney, arrêté hier à l'aéroport de Tokyo, a passé la nuit en prison. Voici l'objet du délit, 219 grammes de chanvre indien dans la valise du chanteur. Au Japon, cela peut coûter jusqu'à 5 ans de prison et 8000 francs d'amende. C'est une erreur, une grave erreur, murmure-t-il. Mais les policiers ne sont pas de cet avis. Ils l'emmènent à la brigade des stupéfiants pour l'interroger sur l'origine de la drogue et l'usage qu'il comptait en faire. L'usage illicite de cannabis, L628, est puni en France d'une peine maximum d'un an d'emprisonnement et de 25 000 francs d'amende. Une loi qui dit maintenant, s'il y a usage, il y a obligatoirement trafic. C'est ça, une jeune fille d'ailleurs nous a écrit, Jacques, et elle dit qu'elle souhaite garder l'anonymat uniquement parce qu'elle risque 6 mois de prison ferme. C'est ça. Mais déjà, à Paris et dans la plupart des grandes villes, les usagers simples de haschich ne vont pas en prison. Tu es pris par la douane avec de l'herbe de cannabis, c'est un avertissement. Il faut que ça te serve de leçon. Parce que le jour où tu te refais prendre, c'est pas la même chose. Hein. Parce que nous, ce qu'on souhaite dans cette affaire maintenant, c'est que tu prennes conscience de l'intérêt qu'il y a à arrêter ça. Hein, sinon, ça présente plus aucun intérêt. Quel âge tu as? 19 ans. 19 ans. À 19 ans, t'as autre chose à faire que de fumer ça. Et de détruire la santé. Hein? Alors que ça te serve de leçon. Hein? Vous avez 30 secondes pour m'expliquer pourquoi il faudrait que j'arrête. J'ai envie de continuer. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il faut s'arrêter, c'est parce que vous avez envie de continuer. Which is marijuana and collard weed, sensimilia, lamb's bread.